Écoutez, je ne sais pas. Dieu, en tout cas, dans les cœurs des croyants, est encore vivant. Nietzsche a annoncé la mort d'un certain Dieu. Et Foucault a annoncé la mort de l'homme. Donc, en vérité, tout dépend du repère dans lequel on se situe. Qui est mort et qui est vivant. La question du retour au religieux, vous savez, l'Europe n'a jamais rompu avec sa tradition, son histoire, sa religion. L'athéisme, l'agnosticisme, le marxisme, tout ça, ce sont des parenthèses dans l'histoire longue de l'humanité. L'athéisme est une exception dans l'histoire religieuse et anthropologique de l'homme. La science qui était un moyen de sécularisation est devenue aujourd'hui un moyen de spiritualisation avec la mécanique quantique, la biologie moléculaire et la crise épistémologique que traverse une science devenue uniquement technoscience. L'état-nation aujourd'hui s'affaiblit, donc les gens ont besoin d'autres modes d'appartenance. La notion de la société, elle est en train de céder la place à la communauté, donc il y a des déplacements. Je ne vais pas entrer dans des analyses macroscopiques. Mais ce qui m'inquiète, là je suis dans les tripes, là, c'est un sentiment, c'est que j'ai le sentiment que l'islam, avec sa visibilité sauvage, parce que c'est une visibilité qui n'est pas théorisée par la théologie fondamentale, les gens sont venus comme ça. Ils ont des pratiques à tâtons, le foulard, le halal, la boucherie, etc. Mais ce ne sont pas des théoriciens qui ont préparé cette visibilité. En vérité, ce qui domine aujourd'hui la visibilité et la présence de l'islam, c'est une orthopraxie, une orthodoxie de masse. L'imam ne fait que suivre derrière. Il ne peut pas dire non, il ne peut pas dire non, cette pratique, il est mineur, etc. Ah, le pauvre, il gère parce qu'il risque de perdre sa place et sa réputation. Il y a aussi de l'économie symbolique qui était mise en jeu dans cette question du pouvoir. Où est-ce qu'il est le pouvoir religieux? Aujourd'hui, il est dans la main de la masse. Les vulgaires, les awam. C'est les awam, les vulgaires aujourd'hui qui dictent l'orthodoxie, l'orthopraxie. Ce qui est important, ce qui n'est pas important. C'est un autre problème. Et cette visibilité anarchique, elle est en train de doper malheureusement un christianisme identitariste de réaction. Ce qui est nuisible au christianisme en tant que spiritualité, en tant que tel. Voilà ma crainte. Donc, c'est pourquoi j'appelle à une visibilité discrète qui conserve l'essentiel des pratiques. La générosité est une pratique. Pourquoi ne pas la mettre en relief? Le respect de la parole donnée, ça c'est de la pratique musulmane. Respecter les rendez-vous, c'est une pratique islamique. Ne pas mentir, c'est une pratique islamique. Ne pas voler. Là, nous avons 60% des détenus aujourd'hui dans nos prisons sont de tradition musulmane. C'est-à-dire, il y a un problème. Donc, quelle est la visibilité en vérité? Une visibilité de délinquance ou bien d'une religiosité littéraliste qui est presque de la délinquance séculière à la délinquance religieuse. Ça a produit des attentats dont on a souffert ici en France et en Belgique.